Voilà, très belle composition, monsieur l'abbé Jean-Pierre Mongabi. Très belle composition, l'unité, l'unité. Alors, nous allons continuer avec vous, mais tout en demandant aussi à notre très cher artiste, parce que vous savez, il y a une chanson que moi j'avais demandé, Tommy Lengele, et cette chanson-là, je crois que Mourou Ndjambé va nous apprêter cette belle chanson. Et Urbain Kanyama, et monsieur Jean-Pierre, en fait, Jacques Wandenga-Boisou, du côté de la radio, parce que vous nous écoutez sur la radio Liberté Kinshasa, 96,8 MHz, et vous nous regardez sur Canal Congo Télévision. Donc l'émission que vous suivez passe en direct de la radio aussi. Donc vous nous suivez à la télé et vous nous écoutez à la radio Liberté Kinshasa, 96,8 MHz. C'est ça notre fréquence et j'ose croire que vous ne serez pas déçus parce que c'est la fréquence de vérité. Alors, monsieur l'abbé, Zembo, mais la béni, l'unité, l'unité. C'est bien l'unité, mais béni, ça chauffe. Poni tozo senga na bandeau na biso a béni ndenge dernièrement bango moko ba milobelaki faut bazwa bango za prise en charge na bango moko comprend ta ba moni gino monisco eza wana eloko moko te pepe telema ndenge biso to telemaka na 98 ans ba rebelle ba kotaka to lambuki ndenge soki bango pe ba lambuki toza na bango motema moko. Et qu'on s'en a mis au passe, n'est-ce pas, à tout moment, babomi batou, bah égorgé batou, et qu'on s'en a mis au passe. Sous ce n'est pas, kimia ekota bisika biso. Kimia ekota na beni bisika biso, tout ça, pour te battre à malam. Pas de vivre la kimia, ma communauté la kimia, tout ça n'a pas mot des cœurs. Et ça, ma province n'a mis au monde, on a dit, vivons tous l'unité, tout ça, ma déco, tout goué la ligne. Congo est un Congolais. Ils sont Congolais. Puis souvent, ils sont tous à Congo. Ceux qui ont été ma beau, c'est comme moi, qu'on est Congo qui est des libosons. Très bien, on va vous proposer Tommy Lengele, cette chanson que les enfants attendent. Parce que c'est vraiment la montée maman quoi. Dali d'ailleurs, ma c'est la Tommy Lengele, Naomi Kende, Nakeren Antimba, Nabao, c'est la Tommy Lengele. Et on avait aussi promis à ces grands producteurs, bienvenue Antimba, Nansel, où on a maison de la prière, cité des ossements, dans Suisse 42 bis, dans maman, la vie Sylvie, pour la zone, la vie sur Nabo Kebipenza, de tout le banabino, un cadre bien aménagé, pour nous permettre de nous sembler la Lengele Longobani. Donc, au Bengika, le numéro, on a fait ça, aux pasteurs, aux révérends, aux mon Christo, Benga, la 082 24 55 563. 082 24 55 563 au revoir maman Sylvie, madame Sylvie, pour la bar réservée ici là, na avenue Suisse 42 bis, qu'on a la maison de la prière, cité des ossements, monsieur bienvenue Nantel, à faire la bisou. Je crois, je vais, avant de vous proposer cette chanson, c'est déjà prête, la chanson, Tommy Lengele, donc l'état, tout le Kanzimboa, pour passer mon mot, Tommy, producteur Champs Production, outil fraîchement, là déplacement, et bélé, pour la paix, ça lui soit contre Randy. Mais l'invité, monsieur l'abbé, beaucoup de temps Champs Production déjà. Ah, Champs Production, non, le Kenamwinda, des poids pour mettre à mes labés, n'a concert à ton stade, mais tire et l'eau, hein? Mais malazan a bouillé un billet un jour en salam. Voilà, pas un producteur mon aîné, oui, un producteur mon aîné, on y choms production y a zo kokamba bilinga kokamba côté culturel à ma casse ceux tout travail naïe nana l'oiseau rare. Nous avons un producteur devenu un cymbal. Oui, merci beaucoup. Oui. Abbé, parce que vous êtes aussi mon ami, j'ai décoré le Monseigneur Solo Tchaloumachi. L'autorisation était venue par les papes au Vatican. C'est venu, j'ai le respect avec les abbés des Monseigneurs, toute personne qui est vraie, dans la vraie parole de Dieu, dans la vérité. Oui. Comme vous, nous attendons le temps de Dieu. Nous attendons le temps de Dieu, comme le temps de Dieu est arrivé. On doit s'attendre comment nous pouvons faire cette production. Je suis là pour 2 mois encore dans la Et ville de vous revenez Kinshasa. d'où comme ça? Je viens fraîchement de Kolwezi pour la première fois. Kolwezi, province du Lualaba. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Là-bas, j'ai organisé la soirée culturelle pour la paix et honorifique, conformément à la lettre du secrétaire général à la culture et aux arts, et la charte de la maison de Chance Production autorise d'honorer ou de promouvoir toute personne, toute entité qui travaille mieux dans son secteur, dans sa nation. Et je promouvoir aussi la culture du service fiscal, la culture de la paix, la culture de l'excellence. J'ai dit beaucoup de thèmes,
la République démocratique du Congo, ma patrie, l'apport d'un patriote congolais au service de sa nation. Je, mon ami Abbé vient de dire là-bas. Abbé Jean-Pierre, Ongabi. Il avait redescendu les deux trophées. Hein? Oui, les deux trophées, je vous jette des fleurs, mais il faut prendre le prix de la maison Chance Production, parce que c'est un prix que, inoubliable. Ce qu'on vous a donné, je vous jette des fleurs. Nous, on prie, mais lorsque le gouvernement congolais vous accepte, ce n'est pas par une négociation, comme j'avais décoré Papa Emba, parce que vous aussi, vous êtes artiste et musicien. Papa Emba soit artiste et musicien. L'accord était venu par le ministère. De la même manière, je décore des entités qui paient les taxes de l'État. L'accord vient par les services de l'État. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens de dépasser la frontière de la République, parce que j'ai fait ailleurs. Je suis maintenant le chancelier des ordres internationaux. D'abord, je suis le producteur culturel national régi au ministère de la Culture par l'arrêté de ma maison Chance Production. Deuxième, je suis l'opérateur culturel international à avoir produit des productions dans de grands pays comme l'Afrique du Sud, la Belgique, le Brazzaville. Je suis l'administrateur directeur général d'une entité que j'avais créée. Et aujourd'hui, je jette au peuple congolais, tout le monde qui a souhaité, je suis maintenant le chancelier des ordres internationaux. Qui vous a nommé? Qui vous a okay, merci. Je vais d'être nommé par rapport à la charte. Ah, ok, la charte. La charte de la maison Chance Production qui a dépassé les frontières. Ça, c'est à votre niveau. Hein, donc, qui a dépassé les frontières. Hein? Oui, non, non, je dis ceci. Pour être nommé, c'est comme nous. Lorsque vous êtes nommé en tant que député, il faut qu'on vous on doit vous élire quelque part. Okay. Comme nous, nous sommes des députés nationaux non séjour au Parlement. Parce que nous, on avait passé aux élections. Vous connaissez ce qui est arrivé. Je vous ai interdit ça. Oui. Ce n'est pas l'interdiction. Moi, on va informer. Je suis candidat comme vous. Oui, vous êtes candidat. Oui. Vous risquez de laisser les métiers importants. Ça, c'est un métier important, le journalisme. Oui. Il faut que tu laisses là pour recevoir des chances de production. Oui. Pas quitter. C'est un métier noble. C'est nous devons aller au Parlement. Pourquoi? Parce que la culture est le socle du développement d'une nation. Il faut que j'apporte une culture là-bas. C'est j'ai les bagages culturels ici. Mais vous, c'est votre bagage journalistique. C'est pour nous aider. Mais si Doudou quitte encore ici, qui doit nous aider encore? Vous êtes encore important ici. Voilà, pas de problème. Lancez seulement les appels à vos ancêtres, à vos peuples, qui en 2023, l'unique candidat à moi, c'est Choms. On ne sont pas là. Mais aujourd'hui, vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, même les grands réalisateurs doivent vous montrer les images. J'invite les artistes à composer des belles chansons avec des thèmes. Et vous avez suivi les chansons de Flavé? Malgré je n'ai pas suivi. Non, mais c'est moi, je notre connais depuis longtemps. C'est un adorateur. Oui. Notre père. En rap. Donc, oui. Non, j'ai suivi ces chansons. À l'époque, il a parlé pour la paix. Et la moi, paix aussi. Ça m'a fait des chairs de poule. C'est pour ça que je l'invite. Même si les abbés, les prêtres, les monseigneurs, on les cherche à l'église, je lui demande de me chercher. Il est temps. Vous comprenez? Dans le cadre artistique. Ok. Vous comprenez? Maintenant, je voulais souligner quelque chose de très important. Que le président de la République, Félix, que vous me connaissez très bien, nous, les Quinois d'ici, je vous invite avec le directeur du cabinet de jeter d'abord un coup d'œil au fond des promotions culturelles. Parce que moi, je viens de circuler 9 provinces. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous remarquer là-bas. Les fonds de promotion culturelle, ils prennent l'argent des redevances, mais aucune promotion de la culture. Parce qu'il y a des gens ou une personne à la tête, ils ne foutent rien. Je vous donne mon cas. Si la personne comme moi, si tu refuses de le soutenir, tu dois soutenir le diable ou bien tu dois soutenir mes chances de production. Parce que moi, je suis en la République. Et je suis l'opérateur qui tient régi au ministère. Les fonds de promotion qui tient, c'est pour soutenir les activités culturelles. Ou les artistes qui ont de bonnes œuvres pour venir déposer au fonds de promotion culturelle. Depuis que je vous ai parlé des fonds, vous avez déjà vu des promotions. Et là déjà, c'est vraiment. Oui, Moreau nous a. Là, l'événement, je ne vois pas. J'ai fait appeler le ministre national quand j'étais à Colusie. Là-bas, j'ai honoré des grandes personnalités. Oui. Je vous dis, il y a des gens dans ces pays-là. Des véritables patriotes. Les véritables patriotes là, Doudou, je vous invite d'aller à Colésie. Je vous invite d'aller à Colésie. Je crois que l'honorable, le président de l'Assemblée, M. Louis Kamouni,
je l'ai honoré, c'était catastrophique. En tant qu'ambassadeur de la paix. D'abord, il était appelé par le ministre de l'Intérieur, ici le ministre national, mais il a eu sa conseillère principale, oui, chargée politique et chargée des finances. Elle est venue prendre le prix, Madame Irène Mbouyou. Elle aussi l'était décorée. Oh, les informations ou les analyses ont été faites par les institutions de l'État de Lualaba. Oui. Moi, j'étais seulement un canal pour les décorer. Voici un homme, je quitte très loin, resté à l'hôtel avec mes frères. Et de quel type d'hôtel pour organiser. Mais l'événement de Lualaba a débordé. C'est pour ça que le président, que je vous remercie, le président de Lualaba, si la chaîne arrive jusque-là, tant mieux. Nous sommes sur TNT, oui, merci beaucoup. Il a donné la salle plénière. Ici, parce que vous nous allez parler du peuple. Parler du peuple. Artiste. Abbé, pour les choses, on va parler du peuple. Pour les obsèques. Pour les obsèques. Ah, voilà les bandats. Mais tant va pécher aux salles plénières, là où les députés votent de loi. Cela veut dire, c'est le peuple qui les avait votés. Les peuples ont droit aussi de participer dans cette salle. Alors, rappelons cela. Rappelons, comme nous sommes dans des périodes de vœux, rapidement. Vous connaissez, j'ai des beaux enfants que Dieu m'a donné. Bon, monsieur, bienvenue à Simba, là aussi. J'ai des beaux enfants. Il a des beaux enfants. Oui, Naomi et Keren. Ah, tes enfants. Oui, les enfants de bienvenue en Simba, là, Nancel. Ah oui, ben pour une chance production, oui. Nous avons des différents des productions. Moi, sur le plan scénique et discographie. C'est différent. Et scénique et spectacle. Très bien. Peut-être lui, les discographiques. Très bien. C'est important de parler de chance production. Ma première fille, Nénis Chumba Modestine, la jolie dame, Beverly La Rose Lumumba. Quand tu portes l'un de Lumumba, c'est pas donné à n'importe qui. Une belle, jolie fille, Senel Kalambay Chumba, un joli garçon, Divine Maria, ça c'est ma mère, je lui ai donné, je lui ai mortalisé le nom, Divine Maria Kumba Chumba, oh, je ne peux pas oublier, votre épouse, ah oui, derrière un grand homme, Tom. Ouais, une grande dame. Evelyne Kalambay Chumba, merci beaucoup, que je les exhorte, merveilleux, de garder merveilleux, de santé, de prospérité, de bénédiction, très bien, comme je viens d'être béni à Colésie, que tous les pasteurs que je l'avais primé, je l'avais décoré, parce que j'ai décoré 4 ambassadeurs, que je les invite, qui parlent pour la paix, pour la République démocratique du Congo, laquelle la paix règne à la République démocratique du Congo. Je vous invite, les peuples congolais, payer les taxes, les redevances, les impôts. Que Dieu se souvienne de vous conformément à la loi de la Bible. Lorsque vous payez les taxes, très bien. Laissez ces autorités-là, s'ils bouffent l'argent, ils ne veulent pas construire le pays. Mais vous payez, comme nous avons des voitures, tu payes des vinettes, pour que les pays qu'on construit, parce que nous étions en Afrique d'ici, ces pays ont été construits par des taxes. Pourquoi pas les nôtres? Très bien, ça c'est une bonne culture. Je termine en disant que les journalistes, c'est vrai, vrai. Je vous demande et je vous prie, et fait un bon travail comme vous, Doudou. Vous êtes en train de faire de bon travail. S'il y a des couacs, je vais te dire, parce que tu es mon ami. Non, tu n'es pas Dieu que je ne peux pas te dire. Si tu as des couacs, je te dirai, mais je te conseille, n'allez pas à la députation. Laissez rester journaliste. Si nous sommes là, ministre de la Culture, mon ami, restez conseiller des communications pour que la communication puisse émerger. Non, parce que Kuna, ce n'est pas seulement pour aller pour l'argent. Voilà. Je dois vous dire, dans notre métier, dans votre métier, c'est un métier noble. Pas de quoi. Tu vois, moi. On verra bien. Tu vois, moi, attaquez-moi. Mais ça dérive plus que j'ai chanté. Non, je voulais souligner. La troisième fois, c'est déjà. Les salaires que moi, j'obtiens par mois avec la procédure, c'est triple. Les salaires d'un député. Très bien. Vous comprenez? Donc, on organise notre culture. Si je parle, merci beaucoup. C'est pour la culture et le socle du développement. Du développement des nations. Merci beaucoup. Les fonds de promotion du tunnel chaotique. Si le président de la République, vous êtes en train de m'écouter, le directeur du cabinet, que vous me connaissez très bien, les premiers ministres, je vous invite, les artistes, musiciens et d'autres souffrent. Les fonds, on ne fait rien. Je vous prie, soit l'équipe qu'on les met dehors ou vous réorganisez le fonds de promotion culturelle. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, Chums Production. À la prochaine occasion. Merveilleux. Joyeux Noël aussi. Si je vous les laisse propre. On y va de l'autre côté pour suivre un autre morceau de notre artiste qu'on reçoit, Jean-Pierre Mongambi, l'abbé rappeur. Ça fera du bien à monsieur bienvenu Antimba Nansel, à Dalida Yema, à Naomi Ekende et à Keren Antimba Nansel. C'était le recensement de la prière. On y va, Mourou Njambé, Binou Ndinga.
et Urbain Kanyama, Jacques Wandenga Boazou. Dieu merci Kifou. On y va.